Oh, Mika, pourquoi tu as fait ça? Mais qu'est-ce qui t'arrive? Et Mika, qu'est-ce qui t'arrive? Non, mais qu'est-ce qui te prend? Mec, arrête. Toi, espèce de bâtard. Toi. Mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce qui t'arrive? Bâtard! Tu crois que tu peux cacher tes péchés pour toujours? C'est ce que tu penses? Non! Comment tu as pu me faire ça? Comment tu as pu me faire ça? Comment? Oh! Shidena! 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 Comment peux-tu faire ça? Shidena! Ça a toujours l'air d'être un rêve. Je peux enfin me retrouver dans tes bras. Je suis toujours à toi. Et tu seras toujours à moi. Jide. Je te gérerai. Toujours. Et je ne te prendrai jamais pour acquis. Et je ne te prendrai jamais pour acquis. Jidena, Chioma, Naza, c'était trop beau pour être vrai. Ok. L'enflure a réduit. À la différence de l'autre côté. Ouais, je sais. C'est parce que tu te sens déjà mieux. Et puis... le taux de glycémie repart au niveau normal. Mais attends. Que? Dans l'enflure était à cause de son taux de glycémie. Oui, bien sûr. De toute façon, écoute, tu dois veiller sur ce qu'elle mange. Son régime doit être surveillé, hein? Et encore plus, sa consommation de sucre. Occupe-toi de ça. D'accord. Maman, tout ira bien, ok? Dans ce que tu es en train de raconter là, j'espère que ce n'est pas pour m'empêcher de manger le délicieux bouillon au plantain mûr de Tioma. Maman, plus de plantain mûr. Eh non, ce n'est pas bon pour toi. Écoute, étant atteinte du diabète, tu n'es pas censé manger du plantain mûr. D'accord? Ok, Nalikoni, tu l'écoutes maintenant. Plus de plantain mûr dans cette maison encore, s'il te plaît. Hein? Pour toujours? Tout ira bien, jusqu'à ce que tu ailles mieux. Tu continues, t'en fais pas. Ok, je comprends. Tu iras bien. Assure-toi de prendre tes médicaments, hein? Mec, assure-toi pour cela. Il ne faudrait pas que nous ayons une mauvaise surprise. Je vais le faire. Maman, tu iras bien, donc je vais retourner à la boutique. Chercher un peu d'argent pour m'occuper de toi. Ok? D'accord. Très bien. Allez, lève-toi et accompagne-moi à la porte, allez. Ok, bye bye. Ok, au revoir. Je vais leur accompagner à la porte. Okay. Maman, tu iras bien. Ils ont le moyen de faire leurs choses. Et ils veulent que tu leur fasses plaisir. Mais, qui te laissera tout mettre dans tes poches? Et ces poches alors, ce n'est pas possible. Alors écoute... ne pars pas faire tes amourettes et oublie que maman doit prendre ses médicaments. De la façon dont je les ai prescrits, donne-les-lui.
Est-ce que tu m'as suivi? Est-ce que tu m'as bien suivi? De toute façon, je vais pas oublier. Mais est-ce que tu sais pourquoi tu parles comme ça? Tu parles de cette façon parce que t'es pas encore amoureux. Quand tu seras amoureux, tu comprendras très vite ce que ça veut dire. C'est ça. Est-ce que l'amour va me donner de l'argent? Hein? Si je ne connaissais pas Naza, rassure-toi, j'allais conclure que Naza t'a attaché quelque part. Ah. Mais c'est parce que je la connais. Eh bien, de toutes les façons, n'oublie pas. Ah! Qui est-ce? Oh, voyons. Ah. Kioma, tu es là? Ah, bienvenue. Bonjour. 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 Comment tu vas? Je vais bien. Est-ce que je peux t'aider avec ça? Non, c'est bon. C'est juste de la nourriture pour maman et Jiga. Oh. Mon ami personnel. Tu vois, moi, qui ne déçois jamais. Tu vois, c'est elle ici. Alors, où est ma part de nourriture? Oh, je ne savais pas que j'allais te trouver ici. Ça, c'est pour ma mère. Jide, ne t'inquiète pas. La prochaine fois, je vais apporter pour toi. Attends, je vais prendre ma part. Ok, bye-bye. Maman? Alors, je comprends que les choses marchent comme tu veux. C'est toi qui contrôles tout ici, n'est-ce pas? Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Hein? Mec, écoute, Kioma est une très belle femme. Ah, mon frère, comme tu parles déjà de belle, attends. Elle est la filleule de ma mère. Ah. Et éloigne-toi d'elle. Ah, ne fais pas ce qui va te dépasser. Ah, parce que la Naza n'est pas la filleule de quelqu'un. Hein? Tu vois? Parce que je n'ai pas le gabarit de ce genre de truc. Regarde, mes deux mains sont comme ça. Je vais utiliser d'autres mains pour te prêter. C'est ça. N'importe quoi. Je vais t'accompagner, on y va. Peu importe ce que c'est. Écoute, mon frère, il ne faut pas oublier de donner à maman ses médicaments. Ne le manque pas. D'accord. D'accord. Je te verrai plus tard. Plus, mon frère. Ok. Ah, je savais que tu allais être bientôt là. C'est pour ça que je suis allé à l'intérieur chercher du cuir. Oh, Bim. Une autre femme te fait à manger et tu es là à te régaler, n'est-ce pas? J'aime te voir quand t'es jalouse. Prends. À chaque fois que je veux te faire à manger, Chioma va toujours le faire. Non, mais c'est sérieux? Si c'est comme ça, je lui dirais d'arrêter d'apporter à manger. Oh, Bim, je ne faisais que blaguer. Mais c'était une fausse blague. Ah. Ouais, tu sais que même si toutes les filles de ce village préparent pour nous, on aura toujours de l'espace dans notre ventre pour manger la tienne. Ça, c'est vrai. Je n'ai pas dit bonjour à maman. Laisse-moi aller Attends, assieds-toi et mange. Maman n'ira nulle part. Elle est à l'intérieur. Non, tiens. Maman est la raison pour laquelle je suis Allez, ici. Allez, prends. Elle est à l'intérieur. Oh, Bim. Allez, mange. Tu es ma maîtrise. Oh, Taka. Tu aimes les bonnes choses. Mais bien sûr. Tioma sait cuisiner. Elle sait faire la cuisine. Naza, tu es là. Dis-moi, comment tu vas? Je vais très bien, comment tu vas? Je vais très bien. Merci beaucoup pour ce plat délicieux. On se régale. Merci, ma chère. Merci. Ok, je vais puiser de l'eau. Je vais te rejoindre bientôt. D'accord, ça marche. Pourquoi n'attends-tu pas jusqu'au soir?
Ah, Obim, je n'ai pas puisé l'eau depuis pour maman. Et tu sais qu'elle va commencer à croire que je me prends les ailes, comme je suis sur le point de terminer à l'université. T'en fais pas, je vais aller avec toi. Tu iras avec moi? Non, je vais aller puiser de l'eau. Je ne veux pas que maman vienne me crier dessus. Tu veux de l'eau? Amy? Hein? Ah! Alors, Jidena, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui t'amène? Mec, je suis fatigué. Il y a du nouveau? Est-ce qu'il l'a payé? Payé comment? Imagine cet avare de Mazibé. Il fallait voir comment il se lamentait sur l'urgence de défricher ce terrain. Il a juré ciel et terre que cet argent était prêt. Es-tu en train de me dire que cet homme te raconte encore des histoires à propos de l'argent jusqu'à présent? C'était pas aujourd'hui qu'il nous a dû venir? Je suis allé là-bas aujourd'hui, il a dit demain. D'accord, mon frère. Déjà, il a dit demain. Alors ne t'en fais pas, donnons-lui le bénéfice du doute. D'accord? Donnons-lui jusqu'à demain. Faudrait bien qu'on ait des preuves avant de faire quoi que ce soit. Et s'il déçoit? Emeka, j'ai besoin d'argent. Nasa va rentrer demain. Et pourtant, je lui ai encore rien donné. Même les médicaments que j'ai pris, je dois, à cause de maman, je les ai pas encore payés. Allez, laisse ça tomber, d'accord? En ce qui concerne Nasa, je pourrais te donner quelque chose si Mazibé refuse de te payer demain. D'accord, je vais te donner quelque chose pour que tu lui donnes. Allez, t'inquiète. On verra demain. Je veux savoir à quoi servent les amis si ce n'est pas pour se soutenir. Aussi longtemps que nous serons amis, sache que ton problème est le mien. Est-ce que tu comprends? D'accord? Ne t'en fais pas. Franchement, je sais pas ce que je ferais sans toi. Et puis, cette maladie de maman, ça me démolit financièrement. Ne t'en fais pas. Elle va se rétablir. Les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Tu ne les verras plus jamais. Et juste confiance et tu verras, hein? Oh bien. Allez, mec, viens, on s'en va. Ça serait bien si je venais à terminer ce stock. Mon amour. Oh, Bim. Tu sais que mon cœur t'appartient à toi seul. Et tu sais que je suis tout à toi. Et à toi seul. Je voulais attendre. Je suis désolé, ok? Je suis désolé de m'être laissé emporter. Je suis désolé. Je sais que tu m'as demandé qu'on attende jusqu'à ta soutenance. Et je te promets que je suis prêt à attendre. Vraiment? D'accord. Et je te promets que je vais me préserver pour toi et pour toi seul. Je te crois, bébé. Oh, bébé. C'est quoi? C'est quoi ça? Mon amour. Je sais qu'il y a beaucoup d'hommes là, dehors. Mais tu m'as choisi, moi. Ça, c'est une bague de promesse. Je vais la mettre dans ton doigt pour toujours te rappeler que, peu importe quoi, je compte garder toute promesse que je t'ai faite. Je peux? Oui, Obim. Oh mon Dieu. Obim. Merci beaucoup. Je t'aime, tu le sais. Merci. Il n'y a pas de quoi. Emeka, bonjour. Eh bien, salut, belle fille. Bonjour.
Comment tu vas? Je vais bien, comment tu vas? Je vais bien. Et Mika, je vais acheter... Je sais. Je sais. Alors tiens, voilà. Que je te donne l'emballage. Tu sais, nous, le corps médical, je veux dire, nous avons une façon de connaître les besoins de nos clients. T'en fais pas, d'accord? Alors, nous y voilà. Très bien, très bien. Ah, tiens. Merci. Si bon. Tiens. Eh bien, quoi. C'est le dollar nigérian. Je n'ai pas de monnaie. Alors, eh bien... Ah, Emeka, non. La dernière fois que je suis venue, tu as dit que tu n'avais pas la monnaie. Même la fois d'avant, tu n'avais toujours pas. Mais tu ne peux pas continuer à me donner des choses gratuitement. Ok, prends ceci pour toutes les choses gratuites que tu m'as données. Je n'ai pas de monnaie, veut dire que je n'en ai pas. Tu veux que je fabrique la monnaie? Ne t'en fais pas, peut-être la prochaine fois, je vais prendre tout ça, d'accord? Hé, Mika, si tu fais toutes ces choses parce que tu crois que je suis la sœur de Jidena, je ne suis pas sa sœur de sang, alors prends l'argent qui te revient de droit. Ne t'en fais pas, la vérité, c'est que je n'ai pas de monnaie. Et j'ai dit que la prochaine fois que tu viendras, j'aurai la monnaie. Hein? Alors, pas de souci. Merci. Jolie dame. Hein? Merci. Eh bien, prends bien soin de toi, d'accord? On verra ça la prochaine d'accord. fois. D'accord. On se voit plus tard. D'accord. Cette fille est belle. Oubliez. Ouais, je t'aurai. Eh bien. Oh, mon Dieu. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec ses partenaires? Le temps est déjà avancé. Mais nous devons parler. Tu vas retourner à l'école ce matin. Oui, maman. Ne t'inquiète pas. Je vais te rendre très, très fière. Ta fille ici présente va très bien se comporter. Je ferai tout de la meilleure des manières et m'assurer de ramener la joie dans cette famille. Oh, Chinaza, ferme ta bouche. Laisse-moi te parler. Chinaza, j'ai constaté une bague sur ton doigt. Oui, tu n'es pas en train de rajeunir. N'importe quoi peut arriver. Hein? Ne mets pas tous tes œufs dans un même panier. Maman, je ne comprends pas. Je suis en train de parler de ce professeur que toi, tu ne cesses de suivre partout. Chinaza, tu peux faire mieux que ça. Je sais que tu peux faire mieux que ça. Maman, que veux-tu dire par faire mieux que ça? Dans ton école, est-ce qu'il n'y a pas de meilleure partie que ça? Ou même dans les environs de l'école? Tu peux trouver quelqu'un de mieux que lui. Épouse-le. Mais arrête de perdre ton temps en t'attachant comme ça. Maman! Est-ce que tu peux t'écouter? Maman, peux-tu t'écouter? Toi et moi savons ce que Jidena et moi ressentons l'un pour l'autre. Et nous nous aimons. Qu'est-ce que tu racontes? Je sais, ma fille. Mais je ne suis qu'une mère qui donne des conseils à son enfant. On ne peut pas faire confiance aux hommes. On ne peut pas leur faire confiance. Maman, désolée de te décevoir. Si c'est la raison pour laquelle tu m'as réveillée tôt ce matin, Jidena et moi, nous nous sommes promis de nous aimer et de nous chérir réciproquement. Désolée, mais je ne compte pas briser cela. Je t'ai suivie. Mais crois-moi, mon enfant. Un homme averti en vaut deux. Il faudrait que tu réfléchisses. Merci, maman. S'il te plaît, je peux retourner me coucher?
Ma fille, tu es encore ici? Il n'est pas encore arrivé. Tu sais quoi? Tu dois retrouver le chemin de l'agence. Oui. Je ne peux pas l'attendre indéfiniment. Ah, maman, il sera bientôt ici. Et ça, j'en suis sûre. Et si alors, il s'était endormi? Est-ce que tu vas rater ton bus parce que Jidenna n'est pas venue te chercher? Endormi? Jidenna? Ah, maman. Jidenna ne pourrait jamais oublier que je repars à l'école aujourd'hui. Maman. Et si je... Et si tu quoi? Si tu pars chez lui pour le chercher et que tu rates ton bus? Non, au lieu d'aller chez lui, tu iras à l'école de toi-même. Oui. Maman. Allons à l'intérieur. Qu'est-ce que j'ai dit? Allons à l'intérieur. Comme tu insistes que tu vas rester là, à l'attendre. Allons à l'intérieur. Ne va pas chez Lio. Ne l'essaye même pas. Au lieu d'aller chez lui, tu ferais mieux d'aller à l'école de toi-même. Pour un homme, tu veux rater ton bus. Laisse ta vie. Maman! Ah, Jidé! Mon amour, pourquoi as-tu mis autant de temps? Mon amour, je suis vraiment désolé, d'accord? Je suis désolé, je t'ai fait attendre. Maman me hurlait déjà dessus. C'est bon, ça va aller. Je suis là maintenant. Maman, bonjour. Bonjour, mon fils. Comment tu vas? Je vais bien. Elle devrait déjà être partie depuis. Oui, tu as bien raison. Et je suis vraiment désolé pour ça. C'est juste que j'avais des détails à régler. Mon amour, s'il te plaît, je veux que tu prennes ça. Oh, bim! Tout cet argent? Oui. Ah! Merci beaucoup. Pas de quoi. Ah, maman! Regarde, tout cet argent. Jidenna m'a donné tout cet argent. Jidenna. Maman? Que Dieu te bénisse. Merci, Dieu te bénisse abondamment. Merci. Tout ce que tu demanderas, Chinekeme te le donnera en abondance. Amen. Merci beaucoup. Tu as fait ton Merci. Mieux. Mon amour, je crois que tu dois partir maintenant avant que tu ne rates ton bus. Oui. Ok. Maman. Ma fille. Oh. Prends soin de toi. Je le ferai au... S'il te plaît, ne stresse pas beaucoup. Je sais. Tu vas me manquer. Tu vas également me manquer. Prends bien soin de toi, pour toi, et aussi, pour Mo, pour moi. Je t'en prie, prends bien soin de toi. Je le ferai. Merci, prends soin de toi. D'accord, mon bébé, je le ferai. D'accord. Bye bye, maman. Ma chérie, sois oui, sage. Maman. Reviens-moi en santé, oh. Bye bye, ma chérie, bye bye. Au revoir. Jidé, attends-moi. Attends-moi. C'est mon tour de jeu maintenant. Eh bien, Serk, je ne suis pas ton égal.
Regardez, regardez ce qu'il est en train de faire. Doucement. C'est deux. Voilà, quoi. Regarde-moi bien, Thomas. Doucement. 6. 6. 2, 5. Joue. 1, 4, 5. C'est tout ce que tu pouvais faire. 1. Ayakata. 1, 6, 4. Je vais te donner une leçon et te montrer que je maîtrise ce jeu. Mon frère. Mon téléphone sonne. Ça doit être Chinazao. Mon Dieu, mon Dieu. Allô, Chama? Vas-y, Joe. 2, 4. Quoi? De Wamina Gasa. Nasa, Pele Charat. Que s'est-il passé? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Ma mère s'est évanouie. Hey! Où est mon sac? Ce n'est pas vrai. Maman s'est évanouie. Hein? Mais non! Attends! Attends, j'arrive! Attends! Attends, j'arrive! Hé, hey, mec! Surveille ma boutique, ok? Shidina, écoute, tu dois te ressaisir. Maman ne serait pas contente de te voir dans cet état. Tu le sais. J'aurais aimé que Chinazao soit là. J'aurais aimé qu'elle soit là. Je vais bien. Je me sens juste un peu étourdi. Ce sont les médicaments. C'est fait pour te fatiguer et te faire dormir, te lever et puis aller au travail. Tu dois reprendre le travail. L'école a repris et tu le sais. Je sens mal pour ces enfants innocents. Parce qu'en ce moment, je ne peux même pas les enseigner quoi que ce soit. Oh. Je veux dire, pourquoi est-ce que tu ne te plais pas chez Nasa? Au lieu de faire semblant que tout va bien alors que ce n'est pas le cas. Tu sais que Chinazao est la seule famille que j'ai. Je veux dire, je veux vraiment qu'elle se concentre sur ses études. Nasa n'est pas la seule famille que tu es. Je suis ici. Ainsi que Chioma, elle te donne à manger tout le temps. Tous les jours. D'accord? Alors, tu sais, si tu continues de la sorte, tu rendras Chioma faible. Souviens-toi, maman était aussi comme sa mère. D'accord? Je sais. Emeka, j'apprécie vraiment toutes les choses que tu fais pour moi. J'apprécie vraiment, je suis très reconnaissant. C'est bon, à quoi servent les amis? Bien alors, je dois retourner à la boutique. Je viendrai te voir le soir, s'il te plaît. Prends soin de toi-même. Je le ferai. Quand je vais partir, tu vas recommencer. Tu vas recommencer à être triste. Je le sais. Maman était aussi là pour moi, alors... Je vais te voir en soirée. Oui, je vais revenir.
Jide. Jide, je t'ai apporté des fruits. Jide. Jide, c'est Chioma, tu m'entends? Jide. Jide. Jide, tu es si fatigué. Qu'est-ce que je dois faire? Dois-je m'asseoir là et attendre? Ok. Je vais attendre qu'il se réveille. Jide. Naza. Naza. Titi. Chioma, réveille-toi, réveille-toi. Jide, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Chioma, s'il te plaît, dis-moi qu'on ne l'a pas fait. Dis-moi qu'on ne l'a pas fait, t'es comme une sœur pour moi. Jide, arrête.
Arrête ça! Écoute, je ne suis pas ta sœur. Je ne suis pas ta sœur. Naza? Naza? Mais qu'est-ce que je vais dire à Naza? Mon frère, tu te sens mieux maintenant? Bienvenue. Pourquoi es-tu si épuisé? Tu as encore besoin de repos, j'espère que ces enfants ne te stressent pas trop. Mon frère, tu connais les enfants. Tu connais comment ils sont. Si c'est peur, le stress, ça va venir. Mais c'est plus du tout nouveau. Je sais, mais en même temps, tu dois te reposer. Ok, d'accord. Tu as encore besoin de repos, on ne vit qu'une fois dans la vie et tu dois comprendre que ces enfants ont encore beaucoup de temps devant et pourtant, toi, tu dois te reposer. Est-ce que pour le moment, je crois que j'ai besoin de ce stress pour occuper mon esprit. Je comprends. Ça, j'en ai besoin. Je comprends, mon frère. Mais ce qu'il faut faire, c'est de rentrer. Prends ton bain. Tu sais, je suis sûr que Shoma, tu te déposes une nourriture délicieuse. Hein? Eh bien, en y réfléchissant, je ne l'ai pas vu récemment, je veux dire. Elle a juste disparu. Je crois qu'elle est peut-être occupée. Elle est probablement occupée. D'accord. Mon frère, je dois partir. On se voit plus tard. Pensons toi et à plus tard. À plus tard. On se voit. Ouais. Oh, wow. Encore cette paperasse. Je dois encore m'y mettre et travailler à fond. C'est quand même trop de boulot pour un homme, hein. C'est quand même trop de boulot pour moi. Quand est-ce que ça va finir, hein? Life is too short to wake up one day and regret. Malupa no baraka kinisya da kosya. Why do you have to stop your brother? Everything we want to walk in Rapuramon yam furuna. Yon me yon some me yon yon. Jama, qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire? Quoi? Tu dois arrêter ce que tu fais. Arrête de donner à ces villageois les sujets de conversation. Jidena, j'ai balayé cette maison avant et après la mort de maman. Alors pourquoi ils vont commencer à parler tout d'un coup? Écoute, je ne fais pas ça à cause de toi. Je le fais pour maman. Je veux dire, je suis sûre que même si elle est morte, elle me voit toujours comme sa fille. C'est quoi ton problème? Excuse-moi. Je suis désolé. Je suis désolé pour ce qui s'est passé l'autre jour. Je ne me sens pas mal pour ce qui s'est passé. C'est ton comportement envers moi qui me blesse beaucoup.
Merci. Ah, Seigneur. Tenez. Merci. Merci. Hey. Merci, d'accord. Mon Dieu est bon, alléluia. Oui, mon Dieu est bon et Jésus est bon. Maman! Hey! Je l'ai bien dit. Je l'ai bien dit. Ma fille est là. Mama managa, oyo yo. Mama managa, oyo yo. Mama managa. Hey! Ma fille. Mon amour. Maman, maman. Maman. Hey. Hey, mon bébé. Maman. Uwamanaka, oyeyo, unamaka. Adon geje manaka, oyeye. Uwamananaka. Oh. J'ai pourtant bien rêvé de toi. Nemo. Maman. Hey. Tout le monde venait me voir, ma fille. Maman. Hey. Nemo, ma. Est-ce bien, ma fille? Hey, est-ce bien, maman, ma fille? Maman, Kuchaya. Hey! Nemo. Maman. Oh. Attends. Maman, cette valise est très lourde. Non, je vais la porter. Doucement, maman, ne te fais pas du mal. Oh. Ok. Ne te fais pas du mal. Pardon, allons-y. Pardon. Maman, tu as dû faire un long voyage. Manqué. Tu m'as également manqué. Hey! Ma nouvelle diplômée est là. Dis-le encore. Ma nouvelle diplômée Dis-le est là. Dis-le encore. Mon amour, viens. Maman. Oui, ma chérie. Hey, va à l'intérieur et apporte tout ce que tu as. Hey. J'ai très, très faim. Faim? Je n'ai presque rien mangé à l'école. Quoi? Oui. Hey, venez, je vais te fortifier. N'est-ce pas? J'ai tout ce qu'il faut dans cette maison. Je te fais confiance. Je suis même en train de faire la soupe aux légumes. Maman, je te fais confiance. Hey, allons-y à l'intérieur. Je t'ai pas l'avoir manqué. Ma nouvelle diplômée sur la place. Encore. Ma diplômée. Tu peux le redire ma encore. Ma fille, allons-y, sois la bienvenue. Maman, attends, laisse-moi porter ça. Je ne peux pas l'oublier. Attends. Mon amour, sois la bienvenue. Ma nouvelle diplômée. Oui, maman. Tu sais quoi, ma fille? J'ai beaucoup de choses à te raconter. Maman chérie. Hey! Le repas est prêt, oh. Chinaza, ma fille. Maman. Ma chérie, viens. Viens manger. La table est faite, oh. Tu peux venir. J'arrive, maman. Viens manger, mon bébé. Hey. J'ai oublié de te prendre de l'eau. Maman, ne t'en fais pas. Viens. Oh, yeah. J'arrive. Maman, tu ne dois pas te déranger. Maman, je vais rapidement arriver chez Jidena. Tina Zaiberi. Maman. N'est-ce pas toi qui pleurais la famine? Hein? Maman, comme je l'ai dit, je ne mettrai pas longtemps. Je veux juste le voir et découvrir quel est le problème. Il n'a pas répondu à mes messages, rien, ce qui n'est pas son genre. Tu n'as pas eu de ses nouvelles depuis tout ce temps? Hein? Oui, maman. Ça, c'est parce que je ne veux pas être plus rapide que mon ombre. Je voulais le voir. Comme ça, on pourrait parler face à face comme des adultes. Tu sais quoi? Assieds-toi. Quand tu auras fini de manger, tu pourras aller voir Jidena. Jidena ne va pas s'enfuir. Assieds-toi et mange. Ah, Biko, où est-ce que tu veux t'en aller, le ventre vide? Écoute, tu iras voir Jidena. Mais mange d'abord pour moi, hein? Ma précieuse fille, mange. Quand tu auras fini de manger, on pourra parler. Parler? Vas-y, mange. Maman, est-ce qu'il y a quelque chose que tu ne me dis pas? Mange. Mange d'abord. Ok. Comment tu trouves? Mange. Vas-y, mange. Oh. Maman. Nen. Vas-y, mange. Mange avant que ça ne refroidisse. Mange. Maman, ça ne passe pas. Je vais rapidement aller voir Jidena.
Quand je vais rentrer, je te promets que je vais tout terminer. Hmm? Ma fille. Maman. Didena a perdu sa mère. Cette femme est juste morte. Quoi? Didena a perdu sa mère et personne ne s'est dérangé de me dire. Oui. Didena ne voulait pas en fait que tu sois perturbée. Quoi? Il voulait que tu termines tes examens. Non! Tinaza! Tinaza, reviens ici! Hey! Cette histoire qu'on appelle l'amour, elle a pourtant dit qu'elle avait faim. Maintenant, elle n'a même pas pu manger ce que je lui ai fait. Ha! Oh, pauvre chaise. Oh, mon Dieu. Va-t-elle manger ce foufou froid? Ha! Ha! Didena! Obim, où est-il? Ah. Obim! Obim! Ah. Didena! Didena! Obim! Obim! Obim, où es-tu? Où est-il? Mais est-ce que ça veut dire qu'il n'est pas encore rentré à cette heure? Mais les cours sont déjà finis. Ah. Obim! Je suis désolée, ma chérie, je suis désolée. Didena! Obim, où es-tu? Obim! Obim! Obim, où es-tu? Où est-il? Est-ce que ça signifie qu'il n'est pas rentré ou quoi? Mais l'école est fermée à cette heure. Obim! Didena! Obim, où es-tu? Obim! Fille? Y a quelqu'un? Peut-être qu'elle est derrière. Salut, Chi. Tu es là. Je toquais, je croyais qu'il n'y a personne à la maison. Oh, je séchais mes habits derrière. Ok, ok. Ta visite me surprend. J'espère que tout va bien. Bien sûr. Eh bien, je ne t'ai pas vu depuis longtemps et j'ai décidé de venir voir comment tu allais. Alors, tu vas bien? Oui. Ah. C'est très gentil de ta part, merci. Et toi, comment okay. Tu vas? Tu vas bien? Ah, Dieu est grand. Alors, je t'ai apporté ceci. Un peu de provision pour toi, tu vois. Et tout ça pour moi? Oui, bien sûr. Et mes cas, ça, c'est tout ce que j'aime dans un emballage. Eh bien, je les ai apportés pour toi. Merci beaucoup. Pas de quoi. Et qu'est-ce que je peux t'offrir? Tu as mangé? Bien sûr, j'ai mangé mon abacha, comme toujours. Ok, viens t'asseoir que je t'apporte quelque chose. Même si c'est de l'eau, tu ne peux pas venir chez moi et rentrer comme ça. D'accord. Mais écoute, ne te dérange pas pour autant, d'accord?
Si tu as de l'eau, ça suffira. D'accord. Mais le plus important, c'est que je suis content que tu as bien. Oui, je vais okay. bien. Merci. Laisse-moi déposer ça. Là. D'accord. Oh. Mon frère, l'homme était surpris quand je lui ai dit que sa fille n'est pas une sorcière et que les convulsions ne sont pas une malédiction des dieux. Mon frère, imagine, hein? Dieu merci pour le 21e siècle. Sinon, on allait jeter un enfant innocent dans la forêt maléfique. Tout simplement parce qu'elle est malade. Pendant ce temps, certaines personnes sont ici. Même certains parmi nous ne connaissent pas comment draguer une femme. Gagner le cœur d'une femme est un problème. Et certaines personnes qui ont donné naissance, qui ont déjà des bébés. Mon frère, de toutes les façons, tu n'es pas de cette catégorie. Toi, tu es un homme amoureux. Tu vis l'amour. Tu vis bien. Tu le vis bien. Mon frère, apprends-moi. Jidena, apprends-moi comment faire cette chose. Ça ne tue pas. Ou alors tu vas... Apprends-moi. Jidena, mais je te parlais, on dirait que ton esprit est ailleurs. C'est quoi ton problème? Je t'écoutais, mon frère. Tu m'écoutais? Ouais, je t'écoutais. Et je t'entends te dire quelque chose. Écoute, je veux gagner le cœur d'une femme. Le cœur de qui veux-tu gagner? Quelle femme? Allez. Non, mais regarde-toi, tu t'entends parler. Écoute-moi, la vérité est que, hein, je suis amoureux. Alors, qui est la personne? Tioma. Mon frère, écoute, je sais très bien qu'elle est ta sœur. Hein? Je le sais. Naza n'est-elle pas la sœur de quelqu'un? Mon frère, la vérité dans cette affaire, c'est que... Je ne sais pas comment expliquer ça. Mais... Mes sentiments sont sincères. Genre... Oublie les blagues, mec. T'es amoureux de Tioma? Et je veux être dans une relation. Une fois qu'elle accepte, tu n'es non, pas non, d'accord. Non, j'ai aucun problème avec cela. Je veux dire, t'es quelqu'un de bien. Tioma est aussi une bonne femme. Je pense que ça va donner. Bien dit. Tu es mon gars. Ouais, t'es mon gars. Maintenant... Apprends-moi à pêcher, ne me donne pas le poisson. Apprends-moi comment pêcher, comment est-ce que tu le fais? Si tu veux draguer une femme, est-ce que tu vas la stopper et lui dire « Salut, je veux qu'on soit garçon et fille ». T'es trop nul. T'en fais pas, finissons ça d'abord. Allez, grand maître, je vais te montrer, finissons ça d'abord. Je t'assure, mec, je suis vraiment amoureux de Tioma. Mec, laisse-moi te dire, si Tioma accepte, d'être ma copine. This is not love, but betrayal. Life is too short to wake up one day and regret. Malupa no baraka kinisya da kosya. Why do you have to stop your brother? Ewaniwe wale woke rapuru monyem furu nanya. Monsieur Emeka. Naza. Comment tu vas? Tu vois, comme je te l'ai dit, Jidena va être très fière et reconnaissant. Prends bien soin de mon frère. Monsieur Emeka, hein? Je suis vraiment désolée. Comment tu vas? Je vais bien. Il y a de cela deux jours. Hi. Je suis venue ici, mais ta boutique était fermée. Ouais, c'est vrai, il y a ce nouveau médicament qu'on m'a envoyé, alors je suis allé le chercher, tu vois. Il faut que je me ravitaille bien, tu vois. Et surtout que je travaille tout seul, si à moi de faire toutes ces courses, tu comprends.
Ils donnent les remèdes comme ils veulent. Et mais même Jidenna, je ne l'ai pas vu. Tu n'as pas vu Jidenna? Oui. Il vient juste de partir d'ici. Ah, ah. Mais quel chemin a-t-il bien pu prendre? Peut-être que tu l'as... Ah, ok. Peut-être que tu es venu par une autre route. Et il a pris un autre chemin. Oui. Tu veux dire que Jidenna vient de partir? Il vient juste de partir. J'étais ici avec Jidenna il y a quelques instants, juste avant que tu n'arrives. Je me suis dit vous êtes... Monsieur Emeka, n'es-tu pas sûr que Jidenna m'évite? Jidenna t'évite? Comment ça? Et pourquoi est-ce qu'il ferait un truc pareil? C'est possible. Parce que je n'étais pas là pour lui quand il avait le plus besoin de moi. Non, loin de là. J'étais là en pleine action. Écoute, Jidenna t'aime beaucoup. C'est pour ça qu'il ne t'a rien dit. Parce qu'il savait que tu serais très occupé avec l'école, si et là. Donc, il ne s'est pas dérangé. Tu sais te faire de mauvaises idées, toi. Hein, Jidenna? Tu es sûr? Jidenna, s'il sait que t'es dans le village, il se précipitera pour te voir. Mais qu'est-ce que tu crois? Tu es déjà sa femme. Arrête de te faire un mauvais son, d'accord? Monsieur Emeka, tu ne peux jamais changer. C'est vraiment difficile pour nous de montrer nos... C'est quelque chose qui nous dépasse. Tu sais, quand les gens changent, les gens qui nous apportent le changement, est-ce qu'eux, ils vont changer? Hey, ta boutique grandit vraiment. Eh bien, qu'est-ce que je peux dire de plus, hein? Dieu est grand et c'est lui qui veille sur moi. Tu comprends? Hey, Dieu veille sur ses enfants. Et tout ce que tu entreprendras prospérera. Tout ça par la grâce de Dieu. Ma chère, laisse-moi te dire. Monsieur Emeka. Fais confiance en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, d'accord? Ne sois pas aveugle en t'appuyant sur ta propre sagesse. Eh bien, tu sais que rien n'est facile, hein? Monsieur Emeka, au revoir. Et j'espère que tu vas rester pour longtemps. Hein? Quand tu reviens comme ça, cherche à voir de mes nouvelles. Je le ferai, ne t'inquiète pas. Tu es sûr que tu ne veux pas quelque chose? Non, non, pas du tout. Tu es sûr que tu ne veux rien? Non, ça va. Eh ouais, Nakio. Ça va, je vais bien. T'es vraiment belle comme femme. Jidenna, vraiment de la chance. Il a de la chance. De toute façon, on se reverra. Mon frère est chanceux de t'avoir. Naza? Hey! Obim! 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 Je t'ai cherché partout. Je n'étais pas sûre si tu m'évitais. Je suis désolée. Vraiment désolée, s'il te plaît, pardonne-moi. Naza. Je sais que quand tu avais besoin de moi, j'étais pas là pour toi. Je suis désolée, s'il te plaît. Je suis désolée, d'accord? Je suis vraiment désolée pour ce que je t'ai fait. Je suis désolée. Non! Je devrais être celle qui est désolée ici. Oui. Tu as porté tout ce poids sur tes épaules. Tu t'inquiétais pour moi et tu pensais à mon bien-être, Obim. Obim, je suis tellement désolée. S'il te plaît, pardonne-moi. Je suis là maintenant. In this life, with your decision, because love is love. Donc c'est pour ça que tu étais de mauvaise humeur tout ce temps. Hmm? Maman, ai-je l'air de mauvaise humeur? Je suis heureuse pour eux.
Chioma. Je te connais. Et je connais les sentiments que tu as pour Dilena. Maman. Oui. Oui. Écoute. Ce n'est pas difficile de savoir quand une femme est éperdument amoureuse. Eh bien, il n'y a rien de mal avec les sentiments que tu ressens pour lui. Après tout, tous les deux, vous n'êtes pas liés par le sang. Donc, il n'y a rien de mal à cela. Mais, Chioma, tu dois faire très attention à ce que tu ressens pour lui. Surtout maintenant qu'il a une femme. Tu sais, la jalousie peut être quelque chose de vraiment très laid. Maman. Maman, est-ce que tu crois que Jidena ne serait pas tombé amoureux de Chinaza si je lui avais dit ce que je ressens pour lui? Je ne sais pas. Je ne peux pas répondre à cette question parce que les hommes sont vraiment indécis. En même temps, ils sont comme des bébés qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Alors je ne peux pas te dire... Oui. Jide, c'est Chioma, est-ce que tu m'entends? Jide. Jide. Jide, tu es aussi fatiguée que ça. Que faire? Dois-je m'asseoir là et attendre? Je vais attendre qu'il se réveille. Jide. Naza. Naza. Jide.
il a prononcé mon nom. Non. Il ne peut pas m'utiliser, se comporter comme s'il ne s'était rien passé. Même s'il n'est pas sûr de ce qu'il veut, je ne le laisserai pas tranquille. Hein? Il est très très brillant. Ah ah! De qui parles-tu? Il va droit au but. Oh, Odenna. Te laisse pas emporter par son français, s'il te plaît. Fie-toi juste à la fiche de correction. Ah, ça c'est vrai. J'avais presque oublié. Prête pas attention à ces enfants, surtout ceux qui sont sournois. Ils vont parler un très bon français et à la fin de l'année, ils ne seront pas retenus. Tu dois prendre les choses à la légère. Je me sens déjà fatiguée. Jide? Ah, Obim, est-ce que tu attends quelqu'un? Non. Tu sais quoi? Continue ce que tu fais. Je vais aller voir qui c'est. Ah, ok. Hey, ses élèves. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais quoi ici? Non. Aujourd'hui, c'est moi qui vais poser toutes les questions. Je veux une explication. Écoute, peu importe l'explication que tu cherches, tu ne peux pas l'avoir cette nuit parce que c'est pas le bon moment pour ça. Ce n'est pas le moment. Ce n'était pas aussi le bon moment quand tu m'as pris ma virginité. Ok, baisse ta voix. Chut, baisse ta voix. C'est quoi ça? Étais-tu aveugle? Tu y as appelé mon nom, tu y as couché avec moi et maintenant tu me traites comme de la merde. Réponds-moi, je t'ai dit que je veux une explication. Réponds-moi. Toi? Jidenna, tu as couché avec Chioma? Mon amour, je sais pas comment. Chi? Hey! Ne me touche pas, espèce de folle! Si tu me touches encore, tu verras! Ose encore, tu verras ce que je vais te faire! Chi? Jidenna! Chi? Jidenna! Jinaza, arrête! Arrête, s'il te plaît! Jidenna! Je suis désolé.
Dis-moi que la conversation que j'ai entendue là n'était qu'une farce. Dis-moi que c'était une blague. Nazar, s'il te plaît, je suis vraiment désolé. Ok, je ne sais pas comment c'est arrivé. Donc tu ne sais pas comment c'est arrivé? Donc c'est même arrivé? Oh mon Dieu! Ah. Nazar, s'il te plaît. S'il te plaît, pardonne-moi. Que je te pardonne? Jidéna, tu as couché avec une autre femme et tu es là à me demander de te pardonner. Oh, aujourd'hui, tu as brisé le vœu qu'on s'était fait. Et à partir de maintenant, il n'y a plus de nous. Est-ce que tu m'as entendu? Nazar? Jinaza, tu dors encore à cette heure? Maman, bonjour. Jinaza. Ma? C'est quoi ton problème? Maman, ça va, je vais bien. Jinaza, tu ne manges pas. Tu ne parles pas. Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Hein? C'est quoi ton problème? Jinaza. Ma. Maman? Est-ce que tu es enceinte? Hein? Enceinte? Hein? Dieu m'en préserve, maman. Je ne suis pas enceinte. Tu n'es pas enceinte? Non. Alors dis-moi, c'est quoi ton problème? Qu'est-ce qui te met dans cet état? Maman, je ne suis vraiment pas de bonne humeur. Est-ce qu'ils ont commencé à publier les résultats des examens? Non, maman. Alors c'est quoi? Qu'est-ce qui... Hein? Je vais très bien, maman. C'est la vérité. Mais attends, Jinaza, hmm? Où est cette bague que tu portais? Maman, je l'ai perdue l'autre jour au champ. Jinaza, ce n'est pas un bon signe. J'espère que tu vas la retrouver. Maintenant, lève-toi, va me puiser de l'eau, j'en ai vraiment besoin. Le fût est déjà vide. On doit faire la cuisine ce matin. D'accord? Ok, maman. Oh? Je ferai cela. S'il te plaît, dépêche-toi. This is not love, but betrayal. Life is too short to wake up one day and regret. Why do you have to stop your brother? Hey, espèce de prostituée. Une prostituée, voilà ce que tu es. M'as-tu entendu? Alors tu passais ton temps à écarter tes jambes pour mon homme, n'est-ce pas? Réponds-moi, n'est-ce pas? Je te parle, reviens ici. Tu as perdu la tête? Écoute, Jinaza, je te respecte beaucoup, mais ce que je ne vais pas accepter est que tu me menaces. Tu m'entends? Tu dis que tu me respectes, mais tu écartes tes jambes pour mon homme. Oh. Et tu es là à parler?
Eh bien, je n'ai pas écarté mes jambes pour ton homme. Nous avons eu des rapports consentants tous les deux. Mais qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Je ne t'en veux pas. Tu ne devrais pas. Tu sais quoi? Ton homme a clairement prononcé mon nom qu'on couche ensemble. Maintenant, déchaîne-toi. C'est à moi. Écoute, si tu me tentes, je vais te battre. Qu'est-ce que tu vas faire? Le Dieu qui dit, le Dieu qui fait. Le Dieu qui dit et le Dieu qui fait. Chinaza? Chinaza, qu'est-ce qui ne va pas? Viens là. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que tu es revenue avec le bidon vide? Je suis désolée, maman. J'irai puiser cette eau plus tard. Chinaza, viens! Reviens ici! Chinaza, pourquoi est-ce que tu es comme ça? Est-ce que tu as été battue? Maman, c'est rien de sérieux. Laisse tomber. Chinaza, reviens ici! Avec qui est-ce que tu t'es battue? Maman, je ne suis pas d'humeur pour tout ça. Est-ce que tu peux me laisser tranquille? Je t'en parlerai plus tard. Chinaza! Chinaza, reviens ici! Chimo! Qu'est-ce qui arrive à cette fille? Une diplômée comme toi! Qui devient une bagarreuse au village? Chinaza! Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, Chinaza? Chinaza, c'est pas comme ça que je t'ai élevée! Hey! Jésus-Christ! Seigneur, aide-moi! Qu'est-ce que cette fille devient? Bagarreuse au village! Avec qui est-ce qu'elle a même bagarré? Ça devient sérieux! Hey! Ok, alors, voilà. Eh bien, on respecte la dose, ok? Un matin, un soir. Matin, midi et soir? J'ai dit un matin, un soir. Tu veux faire une overdose? Et on s'y fait comme je dis. Ok, pas de problème. Allez, dépêche-toi, je dois sortir. D'accord. Je n'ai pas de monnaie, je ne sais pas. Peut-être okay, une fois. Ok, je vais repasser le soir. D'accord, sans problème. D'accord. Bien. Hey, belle fille. Comment tu vas? Bien. Je vais... Non, attends. Emeka, je veux acheter... un test. La laisse? Ah. Écoute, je ne vends pas les laisses. Je ne vends pas les laisses. Non, pas les laisses. J'ai dit... un test de grossesse. Un test de grossesse? Oui. Ok. Voilà. Merci. Merci. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Non.
Lazare, attends! S'il te plaît, attends! Laisse-moi tranquille! Attends. Tu sais qu'on doit parler! Lazare, c'est à toi que je parle! Lazare, s'il te plaît, attends! Attends! Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi ton problème? Hein? Lazare, écoute-moi! Je t'avertis, Jidenna! Reste loin de moi! Écoute-moi. Reste loin de moi! Attention! Je suis désolé, monsieur. Je suis désolé. Viens. Tu voyais pas la route? Mais, monsieur, je ne savais pas. Je ne savais pas, je vous assure. Tu voulais nous tuer? Mon frère m'a lâché. Jidenna, laisse-le tranquille. C'est quoi ton problème? Tu peux t'en aller. Désolé, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est toi qui l'a cogné? Est-ce que c'est toi? S'il te plaît, restons dehors de ça. La prochaine fois, faites attention. Oui, madame. Désolé. T'es fait mal? Lâche-moi! Tout est de ta faute! Tu es désolé pour tes erreurs ou les siennes! Je suis vraiment désolé. Il faut qu'on en parle. Parler de quoi? Jidenna, regarde. Je fais une course pour ma mère. Je n'ai pas de temps pour ces bêtises. Ne m'embête plus. Ok, d'accord, je comprends, mais attends. Tu peux pas partir tant comme ça. Dis-moi ce que tu veux, j'irai l'acheter. Dis-moi juste ce que tu veux. J'irai faire la course pour toi. Multivitamine. Attends, attends. Tu l'as dit. Rentre, tu peux pas aller là-bas et en l'air comme ça. Prends l'argent. Non, c'est bon, t'inquiète. J'ai de l'argent sur moi. Oh, Seigneur. Je suis navré, mon cœur, désolé. Je suis désolé. Attends, je... Ne me touche pas. Ne me touche pas. Emeka? Emeka? Ah, Jidé. Oh, tu es là, je ne t'ai pas vu venir. Pourquoi est-ce que tu... Tu restes là? Eh bien... Ah, pourquoi es-tu si sale? Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, mon frère. Qu'est-ce qui s'est passé? Oh, un conducteur de moto aveugle a failli cogner Naza. Si j'étais pas là, je me demande ce qui allait arriver. Ah, un conducteur, ils sont tous aveugles. Hein? Ils mettent toujours leurs yeux dans leur crâne. Ces gens sont tous des irresponsables. Si tu les appelles, ils courent comme des marionnettes. Tous des aveugles. C'est incroyable. Je comptais venir aujourd'hui parce qu'on ne s'est pas vu depuis un moment. Je voulais savoir comment tu allais. Alors, comment tu vas? Mon frère, tout le monde a été occupé, hein? Je sais. Nous avons tous été occupés. Je sais. Attends. Oh, Wannem. Pourquoi t'es-tu perdu dans tes pensées? Hein? Mon frère, tu ne vas pas le croire. Hey! Un miracle. Je comprends pas. Après tout, ce ne sont pas tes affaires. Mais raconte, croire à quoi? Une de mes clientes est venue ici et... Je lui ai donné des médicaments pour 5 jours et avant 2 jours, elle a récupéré. De quoi a-t-elle récupéré? Le palu, mon frère. Un miracle. Le palu. Le palu? Mm-hmm. Donc c'est à cause de ça que t'avais l'air perdu? Mon frère, c'est parce que tu n'es pas dans le corps médical. Si tu étais de notre domaine, même les maux de tête, la tour, tu seras heureux. Alors, quand elle allait bien, j'étais genre... Ça, c'est un miracle. Monsieur le médecin. Hein?
Donne-moi les multivitamines pour la mère de NASA. Ah, bon beau-frère, bon beau-frère. Si on forge, on devient forgeron. Tu dois m'apprendre beaucoup de choses. J'ai oublié de te demander, qu'en est-il de Thomas, que s'est-il passé? En fait, j'y vais tout doucement, rien pour le moment. Rien jusqu'à présent. On y va doucement. Vu que je suis encore à mes débuts, j'y vais vraiment doucement. Toi, tu sais. Tu vas pas changer. Ouais, j'y vais vraiment, vraiment doucement. Pas en cas de pression. De peur de me heurter quelque part. Hein? Eh bien... Attends, mec. Ne te comporte pas comme si j'étais des gens pro. Je suis encore à mes débuts. Oh, bah, doucement. Ouais, j'y vais tout doucement. Eh, mec, c'est toi le pro, mec. Tu dois beaucoup m'apprendre. NASA. Mon frère, dépêche-toi, je dois partir. Ah, NASA. Maman. Tu t'es encore mêlée à une bagarre? Non, maman. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un accident. Accident? Timo! Jésus-Christ! Comment? Chinaza, oh mon Dieu, tu as été blessée? Hé, hey, Timo! Non, maman! Chinaza? Maman! Dieu merci, Jidenna est arrivée à temps pour me mettre hors de danger. Jidenna? Oh, oui, maman. Seigneur, je te remercie. Que le Seigneur le bénisse. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Hein? Maman, c'est rien. Non, c'est quelque chose. Oh. Si ce n'était pas Jidenna, qu'est-ce que j'aurais dit? Hein? Si ce n'était pas lui, mes ennemis seraient en train de se moquer de moi. En ce moment. Jamais de la vie. Maman, ça n'arrivera jamais. Dieu qui est au ciel ne laissera jamais quelque chose arriver à ses enfants. Amen, oh, amen. Seigneur, merci. Hein? Merci, Seigneur. Seigneur, merci, je bénis ton nom. Laisse-moi, je m'en vais acheter tes vitamines. Je reviens, d'accord? Non. Maman, ne t'en fais pas, Attends, je m'en vais. Maman, ne t'en fais pas, Jidenna, elle est les acheter. Mon fils, oh. Hey, Jidenna. Merci, Seigneur. Ce gars, il t'aime vraiment. Hein? Maman, s'il te plaît. Hein? Au cas où Jidenna revient, dis-lui que je me suis endormie. Afin qu'il ne m'attende pas. Attends. Dormir? Je vais dormir, maman. Je suis fatiguée. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu as mal quelque part? Je vais bien. Je veux juste dormir. D'accord. Repose-toi bien, mon bébé. Réveille-toi. Allez, réveille-toi. Tu pleures. Hein? Tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Ça, c'est sérieux. Ok, voyons. Pourquoi est-ce que tu pleures? Hein? Doucement, 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 ok, doucement. Vas-y, doucement. Chioma. Ok, doucement, d'accord. Le test est-il sorti positif? Ok, ok. Je suis désolé. Tout ira bien. Ok, tu iras bien. Tu dois manger quelque chose, au moins pour le bébé. Non, je ne veux rien manger. Allez, Choma. Je ne veux rien. Comment est-ce possible? Choma, écoute, je sais comment tu te sens, mais tu dois manger quelque chose. Peu importe la raison. Je ne veux pas. Allez, tu iras bien. Je ne veux pas.
Alors, est-ce que tu connais le père? Bien sûr. Hé, mais Mika, pour qui est-ce que tu me prends? Je suis désolé, je ne voulais pas le dire de cette façon. C'est bon. C'est juste que la situation est vraiment déplaisante. Est-il marié? Non. Non, mais... Oh, je vois, il est pauvre. Non. Je veux dire, le salaire d'un professeur d'école ne peut pas être aussi mal, j'imagine. Professeur d'école. Je veux dire... Les seuls professeurs d'école que je connais dans ce village sont... Les Austin, les Madou et les Joseph. Hein? En fait, voilà ce que je connais à part les femmes. Attends. Shuma, dis-moi que j'ai tort. Tu veux dire Chidena? 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 Quoi? Comment est-ce qu'il a pu faire ça? Jésus-Christ, t'a-t-il forcé? Non. Non, pas du tout. Ok, donc, vous l'avez fait tous les deux délibérément? Non, non, non. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Mais je suis sûre que Chidena regrette ce qui s'est... Regrettez quoi? Tu ne sais pas comment c'est arrivé, je ne comprends pas. Ok, tu soutiens même Chidena. Genre, tu le défends. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui s'est arrivé. Je ne peux même pas l'expliquer. Je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire par tu ne sais pas ce qui s'est arrivé, hein? Vous êtes tous les deux des adultes. Et tu viens de dire qu'il ne t'a pas forcé. Alors, qu'est-ce que tu veux dire par tu ne sais pas ce qui s'est arrivé? Écoutez, Mika, je ne sais pas quoi dire. Je ne sais pas. Ok. Écoute, je ne te juge pas, loin de là. Mais nous sommes adultes, alors on assume les conséquences de nos actions. Écoute, tu dois lui dire. Dis-lui pour qu'il prenne des décisions sur la paternité de l'enfant. Je ne sais pas. Chidena. Il y a encore. Mais qu'est-ce que tu fais? Viens. Tu sais que tu peux pas être ici. Chidena. Et si Naza arrivait là et qu'elle te voyait? Nous devons parler. De quoi est-ce que tu veux qu'on parle encore? Cette petite erreur coûte cher à ma relation. Chidena. Je suis enceinte. Tu es quoi? De qui? De toi. Toi et moi, nous attendons un bébé. Tu plaisantes, n'est-ce pas? J'aurais aimé ne pas l'être, crois-moi, j'aurais vraiment aimé. Chidena.
Non, tu peux pas me faire ça. Tu peux pas être enceinte. Non, mais c'est quoi ça? Aie pitié de moi. Avoir pitié de toi? Que veux-tu dire par avoir pitié de toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, Idena? Écoute, je ne suis pas prêt pour ça. On n'est pas tous prêts pour ça. Tioma, tu sais que je suis une personne très compréhensive. Continue juste de comprendre, s'il te plaît. Attends. Attends. Es-tu indirectement en train de me demander d'avorter de mon enfant? Tioma. Je t'en prie. Je vais mourir si je perds Naza. S'il te plaît, fais ça pour nous. Pour l'amour de la paix. De grâce. Pourquoi moi? Tioma. Pourquoi c'est moi qui dois toujours avoir à sacrifier quelque chose? Pourquoi c'est moi qui dois comprendre, même quand ça a à voir avec le fait de perdre mon enfant? Maintenant, écoute-moi. Tu as causé ça. Et tu prendras tes responsabilités pour ça. Tioma. Tioma. Tioma, tu viens de chez Jidena. Est-ce que tu l'as vu? Tu lui as dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit... Dis-moi ce que le bâtard a dit. Il a dit... Il a dit qu'il ne veut pas mon bébé. Jidena a dit ça. Ok, je... Ok, écoute. Je veux que tu rentres. Ne pleure pas. Ne fais rien de stupide. Je viendrai te voir le soir. D'accord? D'accord. Vas-y. Pas censé respirer l'air qu'elle respire. Tu ne le mérites pas. Frère, de grâce, pitié. Comment l'as-tu su? Donc tu croyais que tes œuvres seraient enterrées pour toujours dans le noir? C'est ce que tu croyais? Espèce de vaurien! Non. Écoute, sois raisonnable et parlons-en, s'il te plaît. Laisse-moi t'expliquer, s'il te plaît. Je t'en prie, laisse-moi, je vais t'expliquer. S'il te plaît. Comment l'as-tu su? De
depuis que Choma, depuis que cette fille est devenue orpheline, toi et maman étiez la seule famille qu'elle avait. Imagine ce que maman ressentirait maintenant. Imagine cela. Mon frère, c'était une erreur. C'était une erreur, je te jure. C'était une erreur. C'était une erreur. Jidena, tu es un monstre. Tu es la même personne qui a été protectrice. Ne t'approche pas d'elle. Non, ne t'approche pas d'elle. Elle est comme une sœur. Je ne savais pas que tu étais si intéressé. Emeka, comment tu peux dire une chose pareille? Donc tu as été toujours aussi intéressé par elle. Même quand tu savais que je suis intéressé. Même quand tu savais que je l'aimais. Hey! Tu ne m'as pas considéré. Tu ne t'es pas contrôlé. Sachant que nous sommes de bons amis. Shidena! Emeka, je n'ai jamais été intéressé par elle. Même quand tout cela est arrivé, j'ai voulu parler à quelqu'un. Je ne pouvais pas te parler parce que tu m'avais déjà dit à quel point tu l'aimais. J'avais aucun moyen de t'en parler. Mes mains étaient liées. Écoute, Jidena, je ne te laisserai pas l'exposer aux railleries. Tu dois lui rendre son honneur. Tu dois l'épouser. Tu dois! Emeka, tu sais que je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas? Je ne peux pas. Donc, c'était quoi tes intentions? Réponds-moi, c'était quoi tes intentions? Ok! Donc c'est comme ça que tu vois Choma? Quelqu'un que tu peux utiliser et jeter dans la poubelle? Hein? Quelqu'un que tu vas utiliser et abandonner? Après avoir été satisfait? C'est ce que tu veux dire? Écoute, tu dois assumer les conséquences de tes actions. Mika, tu sais que je suis pas comme ça. T'es mon ami d'enfance. Je sais pas ce qui s'est passé. Oh! Écoute, tu es un adulte. Tu savais quand ça s'est passé. Et quoi la kwewe? Ogbe la kwewe? Tout ça, tu le sais. Est-ce qu'elle a tenu ta main et l'a mise dedans? L'a-t-elle fait? Écoute, Inogo Kwanmi, Kaya l'a compté. Tu ne pourras pas t'enfuir. Compte sur moi. Tu ne pourras pas. Jidena, tu es un monstre. Tu auras de mes nouvelles très bientôt. Take it easy. Canadia mangula mumba Adia mangula mumba. Ah, ma fille. Maman. Ah, ma fille. Tu es rentrée. Oui, ma fille, oui. Je suis de retour. Je vais bien, bienvenue. Comment est-ce que tu vas? Sois la bienvenue. Hey, mon fils, Jidena. Que Dieu te bénisse. Si ce n'était pas toi, comment est-ce que j'allais porter cette lourde charge? Mon fils, assieds-toi. Oui. Chinaza, tu ne salis pas Jidena. Maman, je l'ai déjà fait. Chinaza, salut Jidena. Je ne t'ai pas entendu le faire. Jidena, bonjour. Hey, attends, reviens. Salue-le bien. C'est quoi toutes ces manières? Maman, hein? C'est bon, ça suffit. C'est bon, il n'y a pas de problème. Naza, est-ce que je peux te parler? Ok. Jidena. Maman. Je ne comprends pas. Maman, il n'y a pas de problème. Tu dis qu'il n'y a aucun problème? Il n'y a aucun problème. Oublie tout ce que tu viens de voir. Tout va je bien. Je ne peux pas oublier ce que je viens de voir. Maman, Comment est-ce qu'elle peut refuser de te saluer? Laisse tomber, je t'assure. Je te promets que tout va bien. Ok? Jidena. Crois-moi sur parole. Maman des mamans. Si tu le dis, j'ai compris. Chinaza. Hey,
Ne pense pas que tous les petits spectacles que tu joues ici et là me feront te pardonner. Naza. Comme je l'ai dit, c'est fini. Entre nous, lis mes lèvres. Sur ma enceinte. Je sais même pas quoi faire en ce moment. J'ai besoin d'aide. Naza, s'il te plaît. Je suis désolé, ok? Je te jure. Je t'aime, tu comprends? Ça a toujours été toi, et ça sera toujours toi. Je suis vraiment désolé. Naza, est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu le savais? Quoi? Est-ce que tu m'as aussi trompé? Pourquoi? Pourquoi tu m'as appelé ton ami? Tu m'as appelé ta belle-sœur? Pourquoi vous m'avez trahi de la sorte? Pourquoi? J'aurais dû savoir que vous êtes les mêmes personnes qui traînent ensemble. Non, Naza, écoute, je ne fais pas partie de ça. Je ne suis pas responsable de ça. Ce n'est pas vrai. C'était toi qui m'as convaincue la première fois quand je t'ai demandé si Jidena m'évitait et tu m'as dit carrément non. Écoute, je ne le savais pas. Je ne le savais pas en ce moment. Crois-moi. Écoute, j'aimais cette fille. Tu aimais Chioma? Pourquoi porte-t-elle l'enfant de Jidena? Je souhaite la même chose que tu souhaites aussi. Mais c'est au-dessus de nous. I find love, but I'm scared. See me see new life, oh, but I'm caged in this love. Oh, I am scared. I am scared in this sky. Naza. Oh mon Dieu. Hey. Hey. Chinaza. Chinaza. Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Est-ce que tu veux brûler toute la maison? Brûler? Ah, maman. Je suis désolée, maman. Tu es désolée? Chinaza, à quoi est-ce que tu penses? Vas-y, dis-moi, qu'est-ce qui t'arrive tous ces derniers temps? Chinaza, tu n'es plus toi-même. Oh mon Dieu. Chi, s'il te plaît, viens.
Viens, viens, ma fille. S'il te plaît, viens. S'il te plaît, viens. Viens t'asseoir, viens, viens. Jinaza, c'est quoi le problème? S'il te plaît, parle-moi. Parle-moi. Ji, je suis ta mère. Ta joie est ma joie. Ta douleur est ma douleur. Jinaza, n'oublie pas que j'étais portée dans mes entrailles pendant 9 bonnes années. Qu'est-ce qu'il y a? Parle-moi. Parle-moi, s'il te plaît. Arrête de pleurer. Arrête de te cacher de moi. Parle-moi pour qu'on trouve une solution. Hein? Si c'est une erreur, nous pouvons la corriger. Vico, ma fille, s'il te plaît. Tu brises mon cœur. Tu me fais beaucoup de peine, s'il te plaît. Parle-moi. Je t'en supplie, mon enfant. Maman m'a trompée. J'ai été une idiote pendant tout ce temps. Comment? J'aurais dû t'écouter, maman. Aucun de mes enfants n'est un idiot. Tu ne pourras jamais être une idiote. Ça va. C'est bon, arrête de pleurer, non? Chioma est enceinte, maman. Chioma est enceinte? Comment? Maman Chioma porte l'enfant de Jidena. Hey! Incroyable! Incroyable! Maman Jidena m'a trahi! Jidena n'a même pas réfléchi à deux fois! N'a même pas réfléchi à deux fois avant de se donner à une autre femme, maman! C'est bon. Ma fille, c'est bon. Viens là. Viens. Je lui ai tout donné, maman. S'il te plaît, arrête de pleurer. Mon amour, tout ce qu'on a partagé. Jidena s'est foutu de tout ça pour rien. C'est bon, ça va aller. Ça va aller. Viens. C'est bon, ça suffit, ça suffit. Arrête de pleurer. Ça va très vite te passer, d'accord? Fais-moi confiance. Ça va aller. J'aurais au moins vu ça venir. Biko. Arrête. Merci, Emeka. Ça a dû te coûter beaucoup. Eh bien, c'est rien, je... Ça sera trop risqué pour le bébé si tu as le palu. Maintenant, alors, on doit prendre toutes les précautions. D'accord. C'est gentil. C'est bon. C'est rien. Emeka, je comprends que tu fasses tout ceci à cause de Jidena. Mais tu n'as pas besoin de le faire. Écoute, je peux me débrouiller. Vraiment. Et je ne fais rien à cause de Jidena. Tu es aussi ma cliente loyale. Oh. Ouais. Alors c'est comme ça que tu traites toutes tes clientes loyales? Eh bien, pas du tout. Pas exactement, mais... Je suis la responsabilité de ton meilleur ami et comme il ne peut pas la gérer, tu fais de moi une exception, c'est ça? Non. Tu es la femme que j'aime. Excuse-moi. C'est pour ça que je fais de toi une exception, Tioma. Écoute, je croyais que je n'allais jamais dire ça. Mais j'ai constaté qu'il n'y a pas de temps parfait pour quoi que ce soit. Cette moustiquaire est parfaite. Merci beaucoup. Passe une bonne nuit. Je viendrai te voir demain. D'accord, bonne nuit. Thank you.
Jidéna. Maman. Qui est-ce que tu appelles maman? Qu'est-ce que tu fais ici? Bonjour, maman. Je dois voir Naza. Tu veux voir Naza? Je dois la voir. Ah. Ok. Tu veux voir Naza, c'est ça? Oui. Attends là. Je vais aller te chercher, Naza. Oh. D'accord. Ne bouge pas, hein. Merci. Fous le camp de ma maison. Regarde-moi cet idiot. Si j'ose encore te voir près de cette maison, ou alors près de ma fille, je vais te paralyser. Tu es encore placé là. Sachien, dégage de ma maison. Tu es encore là. Non, ne pars plus. Attends-moi. Reviens encore ici. Attends et tu verras ce que je vais te faire. Sale chien. Tu oses mettre tes pieds chez moi. Reviens encore ici. Et tu verras ce que je vais te faire. Ok, c'est bon, JD. Mon frère, quand était-ce la dernière fois que tu as rendu visite à la femme qui porte ton enfant? Où est-ce que tu te tiens encore à ta vision et courir après Naza? Emeka, ce n'est pas une vision. Toi, plus que quiconque, devrais savoir que je ne laisserai pas la femme que j'aime. L'amour? L'amour, c'est aussi savoir quand lâcher prise. Ne vois-tu pas que tu la rends encore plus misérable en la poursuivant partout? Jidéna, l'intégrité coule dans tes veines. L'intégrité coule dans tes gènes. Tu sais quoi faire. Tu sais que c'est pas facile. C'est pas facile. Comment est-ce que je peux laisser la femme dont je suis amoureux et partir avec une autre? Ça n'a pas de sens. Comme je l'ai dit, nous sommes tous des adultes et nous devons assumer les conséquences de nos actions. Écoute. Bon, disons juste, mets-toi à la place de Naza. Si les rôles étaient inversés, toi qui portes la grossesse à sa place, comment te sentirais-tu? Mon amour pour Naza n'a pas de limite. Qu'en est-il de toi? Quoi? Tu n'es plus amoureux de Tioma? Je veux dire maintenant qu'elle porte l'enfant d'un autre homme. Amego, doke karia, amego. Amego, engo karia, amego. Amego, wango karia, amego. Merci d'avoir accepté de me voir. Je suis juste ici à cause du respect que j'ai pour Emeka. Alors, quoi que tu veuilles me dire, fais-le très vite. Je n'ai pas le temps. Naza,
t'ai appelé ici parce que je voulais que tu l'entendes directement de moi. Je suis sincèrement désolé pour tout ce que je t'ai fait. Chaque douleur que je t'ai causée. Je suis désolé. S'il te plaît, pardonne-moi. Nasa, je sais que je ne te mérite pas. Je vais juste obéir à la tradition et garder l'honneur de ma famille. Je vais épouser Tioma. Je te dis ça parce que ça pourrait être la dernière fois que je te vois. J'ai pas la capacité d'aimer une autre femme. Et la vérité, c'est que tu ne mérites pas tout ce que je t'ai fait. Surtout ma promesse que je pouvais pas garder. Je suis vraiment désolé pour ça. Nasa, tu es la seule personne pour moi. Ça me fait vraiment mal. Ça me fait vraiment mal dans le cœur que j'ai choisi la traduction sur notre amour. Je suis désolé. Du plus profond de mon cœur, je suis désolé. Désolé. Jidéna. Je ne vais jamais te pardonner. Tu m'as fait. Je te laisse à Dieu. Que Dieu te juge. Je ne vais jamais te pardonner. Merci. 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 Je suis rassasiée. Merci. Pourquoi est-ce que tu ne termines pas cette petite nourriture? Non, c'est ce que tu dis depuis. Je n'ai pas arrêté de manger, mais là, je ne veux plus manger. Ok, bois donc de l'eau. Je viens juste de boire de l'eau. Hey, mais tu viens de manger. Bois de l'eau. Très bien, d'accord. Est-ce que Jidéna t'a dit qu'il allait voir ton oncle demain? Ouais, genre, il a dit qu'il a besoin de voir ton... Laisse-moi aller garder ce plat à la cuisine. Je reviens.
J'ai rencontré ton oncle pour déclarer mes intentions. Il a dit qu'il allait m'informer sur quand venir pour la réunion. Oui. Emeka me l'a dit. Choma, je suis vraiment désolé que je ne sois pas venu te voir comme je le devais. Ok, mais je ferai de mon mieux dorénavant. Pas de problème. Je t'ai apporté ceci. Merci. Choma. Tu sais que mon cœur appartient à une autre femme. Je sais, mais je te promets. Je ferai tout mon possible pour être un bon père. Et un bon mari. Je sais que ce sera difficile pour toi. Mais la vérité, c'est que... Je vais pas promettre de t'aimer. Parce que je peux pas. Et je veux que tu comprennes que c'est pas ta faute. Il ne s'agit pas de toi. Je ne sais pas de quoi il parle. Mais je vais enfin épouser mon premier amour. Et c'est ce que j'ai toujours voulu. Choma, ma fille. Ce jeune homme ici est venu demander ta main en mariage. Sachant très bien que je suis ta famille proche, il s'est approché de moi en premier. Tu le connais? Bien. Comme le veut notre tradition, je dois demander ton consentement d'abord. Avant d'inviter toute notre famille, je veux dire toute la grande famille. Comme ça, ils pourront également l'écouter. J'y ai bien parlé. Bien. Les choses avancent bien. Alors, je me tiens à la place de ton père en ce jour. Et je veux que tu me dises la vérité. Est-ce que tu vas l'épouser? Ma fille. Ma chère, doucement. Peu importe les conséquences qui entourent n'importe quel mariage, les deux parties doivent, de leur plein gré, accepter de se marier. C'est important. S'il te plaît, ma fille, est-ce que tu vas l'épouser? Non. Choma. Tonton, désolé de t'avoir perdu le temps. Mais je ne vais pas l'épouser. Je devais lui dire la vérité, Emeka. Mon enfant mérite mieux. Oui, mais... il a la volonté d'essayer et... Non. Je ne vais pas vivre sous l'ombre d'une autre femme. Et soumettre mon enfant à une vie de probabilité. Son cœur ne sera jamais avec nous. Je comprends. Mais les gens... Oui.
Les gens vont toujours parler. Mais je préfère être mère célibataire que de vivre dans la misère pour éviter le commérage des gens. Pourquoi je ne vais pas aimer une brave femme comme toi? Je suis fière de toi. Jidena, je ne fais pas ça pour te plaire ou autre chose. Mais j'ai bien réfléchi à ça et... J'aime vraiment Chioma. De toute façon, il n'y a pas de doute là-dessus. Mais est-ce que tu lui as parlé? Non. Écoute, je suis la tradition. Et je voulais aussi m'assurer que tu cèdes à ton droit en tant que le père légitime. T'en fais pas pour ça, je le ferai. Ok? Et je ne le fais pas à cause de la situation dans laquelle on se trouve. Mais à cause du fait que je sais que tu es quelqu'un de bien. Ah, ok. J'espère que je serai un bon père aussi. Bien sûr que tu le seras. Tu seras un bon père. Alors, est-ce que tu es en train de dire qu'on peut déjà commencer avec les rites une fois que Shuma donne son consentement? Non, j'ai pas de problème avec cela. Vas-y, fais ce que tu veux faire. Est-ce que tu crois qu'elle va accepter? Est-ce que tu crois qu'elle va m'accepter? Parce que j'hésite vraiment. Tu sais, si Chioma et mon enfant cherchent en fait un homme bon dans leur vie, je crois que tu es le plus qualifié. Jidena, parfois ce n'est pas facile. Parfois c'est tellement... difficile pour les femmes d'accepter le fait que le père légitime, le père biologique de son enfant est encore en vie et ensuite un autre homme vient dans sa vie. Je veux dire... Je sais que t'es un homme bon, ok? Et je suis très sûr que ton amour pour elle va lui donner toute l'assurance dont elle a besoin. D'accord. Merci pour ton soutien. J'apprécie. Je te souhaite le meilleur dans la vie. Alors, il y a du progrès avec Naza? Eh bien, personnellement, j'ai accepté le fait que je ne la mérite pas. Ah, écoute, laisse-la juger cela. Donne-lui une chance de juger. Après tout, on dit que l'amour surpasse tout, n'est-ce pas? Hein? Eh bien, t'as raison. T'as raison, tu sais. Eh bien, je te remercie beaucoup. Vraiment, merci beaucoup. J'apprécie vraiment. Il y a pas de quoi, mon frère. Tu seras un bon père. Je crois que maintenant, les choses vont aller pour le mieux. Et tout le monde sera content. Naza, j'ai essayé de te voir, ça fait des jours maintenant. Oui, j'ai entendu que tu as rejeté la demande de Jidena, n'est-ce pas? Est-ce que tu t'attends à des acclamations pour ça? Non. Non, pas du tout. Je suis désolée. Est-ce que Jidena t'a poussé à faire ça? Non. Non, non. Néanmoins, je pense qu'il l'aurait fait s'il pensait que ça allait changer la situation. Naza,
Djidena soulèverait des montagnes pour toi. Pourtant, nous en sommes là. Ce que nous avons fait est impardonnable. Tu ne le mérites pas. Et pour cela, je suis sincèrement désolée du fond de mon cœur, je le suis. Je ne pouvais pas épouser Djidena parce que tu as raison. Son cœur et son âme t'appartient. Il ne m'aimera jamais. Une personne coupable peut dire n'importe quoi pour couvrir ses erreurs, n'est-ce pas? Non. Naza, c'est pas grave si tu doutes de moi. Mais ne doute pas de l'amour de Djidena pour toi. S'il te plaît. J'ai toujours aimé Djidena. Mais il ne m'a jamais aimé en retour. Nous nous sommes juste retrouvés coincés dans un moment de chagrin. J'ai menti. J'ai menti depuis le début. Djidena a mentionné ton nom. Oui. Je suis désolée. Regarde tout ce que j'ai acheté pour le bébé. Tu as commencé à faire des achats? Oui, en fait, comme je n'ai pas l'argent pour tout acheter d'un coup, alors j'achète une chose après l'autre. Je suis allée au marché, c'était en vente. Regarde ceci. Tu fais les achats très tôt. Bonne stratégie. Parfait. Avec le temps, je vais acheter tout ce dont j'aurai besoin pour le bébé. Très bien. Regarde celui-ci. Très bien. Oh, c'est tellement beau. Et tu te rends compte comment est-ce que quelqu'un peut entrer dans ça? Regarde. Épouse-moi. Emeka. Regarde, Tioma, je ne connais pas d'endroit parfait. Et le temps parfait pour le dire. C'est pour ça que je te le demande maintenant. S'il te plaît, épouse-moi. Mon amour surmontera toutes les questions, tous les doutes. Je te donnerai la vie parfaite que tu mérites. Je vais te consacrer mon temps. Qu'en est-il de mon enfant? Écoute, ton enfant sera le mien. Et quand tu m'en donneras plus encore, si Dieu le veut, je ne ferai aucune différence entre eux. Mais qu'à Dieu, non, bien, tu ne mérites pas ça. Écoute. Les enfants sont un don de Dieu. Pourquoi est-ce que je ne partagerai pas ces dons avec toi? Dis juste oui. La tradition n'acceptera pas ceci sans le consentement de Djidena. Je l'ai déjà. J'ai déjà son consentement. Et j'attends juste que tu dises oui, comme ça, on pourra avancer avec les rites. Écoute, tu n'es pas sous pression.
je n'essaye pas de te mettre la pression. D'accord, tu peux prendre ton temps et... Je sais que tu ne pourras pas m'aimer maintenant, mais... Qui n'aimerait pas un homme bon comme toi? Oui. Quoi? Oui. Je vais t'épouser. Tu le feras? Très bien. Je suis tellement content. Je suis tellement content. Écoute, je vais te protéger. Je te donnerai la vie que tu mérites. Maman. Chinaza. Maman. J'ai entendu dire que Chiyoma et Emeka vont se marier. Je l'ai aussi entendu, maman. Alors, quels sont tes plans avec Chidena? Maman, il n'y a aucun plan. Je ne vais jamais pardonner Jide pour ce qu'il m'a causé. Je ne vais jamais lui pardonner. Pourtant, tu te réveilles chaque nuit pour attendre sa venue. Ma fille, fais-moi confiance, il n'y a aucune raison d'avoir honte. L'amour, dit-on, est très étrange. Maman, il n'y a aucun moyen que je pardonne à Jidena pour ce qu'il m'a fait. J'ai entendu ta conversation avec Chioma l'autre jour. Et ça m'a fait me rappeler quand ton père et moi, Aïsion, étions dans une situation similaire. Oui. Papa t'a trompé? Non. Je l'ai fait. Tu l'as fait? Et il t'a pardonné? On dit que l'amour surpasse toute chose. Ma fille, Chidena a commis une erreur. Mais c'est un homme bien. Personne n'est parfait. Suis juste ton cœur. Anna, tu risques de rater ton buisson. Qu'est-ce qu'il y a? Maman, je veux réfléchir à deux ou à trois choses. Oh, je vais chercher mon foulard. D'accord, maman. Allons-y. Allons-y, tu risques de rater le bus. J'espère que tu n'as rien oublié. Hein? Maman, tu vas beaucoup me manquer. Tu vas également me manquer, ma fille. Tu vas me manquer.
Maman, promets-moi que tu vas t'occuper de toi. Je le ferai, je le ferai. Nasa, je le ferai. S'il te plaît, ton bus. Maman, bonjour. Je croyais que tu n'allais plus venir. Mon amour, si je ne viens pas ici, où d'autres irais-je? Je suis profondément désolé pour tout ce que je t'ai fait. Je suis sincèrement désolé. Es-tu sûr? Je le suis. Je suis désolée. Tu sais que je t'aime. Tu connais déjà ma réponse à cela, n'est-ce pas? Je sais que je t'ai vraiment blessé. Et la vérité, c'est que tu ne peux pas me détester autant que je me déteste pour ça. Écoute, tout ce que je demande, c'est une autre chance. Une autre opportunité de prouver à quel point je t'aime vraiment. Pouvons-nous refaire ça? Ah, oui. Ah, oui. Oh, oh mon Dieu. Oh mon Dieu. Je t'aime énormément, mon amour. Je t'aime, bébé. Quelqu'un va rater son bus au... Ah. Elle a raison par rapport à ça. Je vais t'aider avec la valise. Okay, apporte-la à moi, s'il te plaît. Allez-y, allez-y, allez-y. Ma fille. Maman. Maman, prends bien soin de toi. Je le ferai, je le ferai. Vas-y, vas-y, vas-y. Ok. Au revoir, maman. Prends soin de toi, oh. Bye, maman. Oh, ma fille. Assure-toi de bien manger. Je le ferai, oh. Hein? Bye. 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 Au revoir. Maman. Mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Oh. Oh. Bye bye. Oh. Bon voyage. Que le Seigneur t'accompagne, mon enfant. Hey. Bye bye. See me sing your life.